je vais maintenant cliquer sur passerelle de paiement. Et on va cliquer sur les trois traits ici en haut à droite. On clique dessus. Et on va maintenant cliquer sur accès au compte. Vous avez un compte dans ce site. Vous avez de l'argent, mais comment vous allez retirer cet argent? La plupart des personnes pensent que le fait de ne pas avoir un ordinateur, leur business ne va pas marcher. Aujourd'hui, vous pouvez monter un business avec un téléphone portable et commencer à gagner de l'argent. Vous voyez cet argent? C'est dans System.io. System.io me paye pour avoir parlé de ce logiciel qui peut vous aider à lancer un business en ligne et gagner de l'argent. Vous n'avez pas un ordinateur ou peut-être que le fait de ne pas avoir un ordinateur vous empêche à ne pas démarrer votre business. Comme la vidéo qui s'affiche ici en haut à droite, je vous avais montré comment gagner de l'argent avec System.io sur un téléphone portable. Et maintenant, l'argent qu'on a gagné avec ce site, comment on peut retirer cet argent? Ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, je vous montre quelles sont les étapes à suivre dans un instant. Alors, regardez ici. Si je clique sur paramètres et ensuite je clique sur passerelle de paiement, je défile en bas comme ça. Ici, on peut retirer l'argent par Stripe, on peut retirer par PayPal et autres moyens de paiement. Stripe, c'est tout ce qui est compte bancaire et tout, voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment relier un moyen de paiement pour retirer votre argent. Il faut aussi noter que je vais vous montrer de A à Z avec un téléphone portable. Comme c'est une affaire de l'argent, il est donc très important de regarder du début jusqu'à la fin pour apprendre des erreurs à éviter pour ne pas avoir de soucis. Tout ce dont vous avez besoin, c'est juste un téléphone portable et une connexion internet. Et puis ça marche partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, peu importe, ça marche dans tous les pays. Ok, si vous venez de me découvrir aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oublie surtout pas à liker cette vidéo. Une fois que tu as fini de faire tout ça là, ok, on est parti. Ok, donc là je vais me connecter rapidement sur mon compte. Je dois cliquer sur les trois points ici en haut à droite. Et là je dois cliquer sur connexion. On va maintenant cliquer sur mon profil ici. Puis je viens dans les paramètres, je clique dessus. Après avoir cliqué sur les paramètres, je viens maintenant cliquer sur passerelle de paiement. Je clique dessus. Voilà. Ici maintenant, je dois défiler en bas comme ça. Dans cette vidéo, je dois vous montrer comment relier avec PayPal. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment relier Stripe à System.io. Donc là, je dois cliquer sur relier comme ça. Je clique dessus. Ici, on me demande de mettre le nom d'utilisateur API et la signature. En arrivant dans cette page, je ne serai pas pressé. Il faut lire attentivement. Si on vient cliquer sur « Lisez cet article pour confirmer l'intégration PayPal », je clique dessus. Ici, on me dit « Allez sur PayPal et créez un compte PayPal Business ou convertissez un compte personnel existant en compte business, c'est gratuit ». Je pense que nous, on a déjà une vidéo qui vous explique comment créer un compte PayPal Business professionnel ici dans cette chaîne. Voilà, je dois mettre la vidéo qui va s'afficher ici. Hein. Donc, on revient sur PayPal comme ça. Et on va cliquer sur les trois traits ici en haut à droite. On clique dessus. Et on descend en bas comme ça. On va maintenant cliquer sur paramètres du compte. On clique dessus. Et on va maintenant cliquer sur accès au compte. Voilà. On va maintenant cliquer sur gérer les identifiants API pour intégrer votre compte PayPal à votre boutique en ligne ou votre panier. Donc là, on va cliquer sur mettre à jour. Et ici, on descend en bas comme ça. On va descendre tout en bas. Et on va maintenant cliquer sur « Gérer les identifiants API ». Là où c'est écrit « Vous ou votre développeur avez intégré l'API », tout ça là. Donc, on va maintenant cliquer sur « Gérer les identifiants API ». On va cliquer dessus. On attend quelques secondes. On va descendre en bas comme ça. Voici ce que nous allons copier pour mettre dans PayPal. C'est les trois là. Là, vous voyez, c'est écrit identifiant signature. On a API username. On a API password. On a signature affichée. Donc, on va commencer d'abord par username. On va cliquer dessus. Là, maintenant, je dois prendre mon username ici. Je dois copier ça. Là, je dois cacher ça hein, parce que c'est à moi en fait. Et là, maintenant, je dois revenir dans le site system.io comme ça. Je dois revenir en arrière comme ça. Et ici, je dois mettre les noms d'utilisateur API. Ici, je dois les coller dans cette case. Et ici, je dois aller récupérer les mots de passe API. Donc, je reviens dans PayPal comme ça. Et là, maintenant, je dois appuyer sur API password. Je dois appuyer sur afficher. Et je copie le password. Je dois le copier comme ça. Et je reviens dans PayPal comme ça. Et ici, dans les mots de passe API, je dois coller ici. Et il nous reste maintenant la signature. Donc, je reviens toujours dans PayPal comme ça. Et là, maintenant, je dois appuyer sur signature affichée. Donc, je dois afficher ça.
et je copie le code HTML là. Je copie le code là. Donc il faut vraiment faire très attention à ce niveau. Hein. Vous pouvez copier le code comme ça et puis voilà, ça a raté. Parce que ce sont des codes de programmation HTML. Il faut vous assurer de copier toutes les lettres que vous voyez dans ces codes. Si vous ratez quelque chose, ça ne marchera pas. Alors, je reviens dans System.io comme ça. Je dois coller le code ici dans la case signature. Et après avoir renseigné tout cela, la signature, je dois maintenant cliquer sur enregistrer. Et voilà. Vous voyez que l'adresse email PayPal a été intégrée avec succès. Si vous voyez ici au niveau des Stripe, vous voyez en bas qu'on a déconnecté. Ça veut dire que mon compte PayPal a été déjà accepté par System.io. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, ici, je dois revenir dans PayPal. Alors, je rappelle encore pour ceux qui n'ont pas un compte PayPal, j'ai déjà fait une vidéo que je vous ai montré étape par étape comment créer un compte PayPal business qui marche même en Afrique. Il faut suivre les méthodes que je vous ai apprises dans cette vidéo-là pour créer un compte PayPal professionnel qui est éligible dans un pays non éligible. J'espère que cette vidéo vous allez kiffer. Dites-moi encore une fois dans les commentaires. Si vous avez des préoccupations, ne soyez pas timide et surtout, dites-les-moi en commentaire et ça me ferait plaisir de vous répondre. Likez la vidéo, donnez-moi la force les gars, je veux que la vidéo atteigne les 200 likes en 24 heures. Vous avez déjà un compte System.io, vous avez un compte PayPal maintenant donc. Vous êtes maintenant prêt à faire vos business? Je vous mets toutes les informations en description de cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace out.